il volume. Salut, sì. Nous sommes les élèves de 3e du collège de Carpegna. Nous sommes très contents de vous présenter à vos citoyens de Mont-Saint-Martin notre étude, l'histoire du lit, sur l'histoire de l'immigration de nombreuses de nos citoyens vers votre pays pendant la première décennie du XXe siècle. Salve, siamo la classe terza della scuola secondaria di primo grado di Carpegna. Siamo onorati di presentare a voi cittadini di Mont-Saint-Martin la nostra ricerca dal titolo L'histoire du livre, sulla storia dell'immigrazione di tanti nostri compaesani verso la vostra terra, avvenuta nei primi decenni del Novecento. Ce projet a été proposé à nos professeurs par la Marie de Carpegna, qui avec les Marie de Montecopiolo e Pietrarubbia, e jumelé avec votre ville. Questo progetto è stato proposto ai nostri insegnanti dal comune di Carpegna, che insieme ai comuni di Montecopiolo e Pietrarubbia è gemellato con la vostra città. Madame, le professeur Carlo Sabatini, membre du comité du gemellage et citoyen d'honneur de Mont-Saint-Martin, est venu dans notre école à nous raconter l'histoire de cet échange culturel. Son cours a été très intéressant et Madame Carla nous a élégamment donné des livres sur lesquels nous avons fait nos recherches. La professoressa Carla Sabatini, membro del comitato di gemellaggio e cittadina onoraria di Mont-Saint-Martin, è venuta nella nostra scuola a raccontarci la storia di questo scambio culturale. La lezione è stata molto interessante e Carla ci ha anche lasciato dei libri sui quali ci siamo documentati. Nous avons compris qu'il existe un lien étroit entre l'italien et le français, avec de forts racines historiques remontant à la période de la fin du 19e siècle, à la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque de nombreux Italiens sont émigrés en France pour raisons politiques, pour travailler dans les mines et dans l'industrie chirurgique, culminante al sviluppo sociale e culturale dei suoi territori. Abbiamo capito che c'è uno stretto legame tra italiani e francesi, con forti radici storiche che risalgono al periodo che va dalla fine dell'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, quando molti italiani emigravano in Francia per motivi politici, per lavorare nelle miniere e nelle industrie siderurgiche, contribuendo allo sviluppo sociale e culturale di questi territori. Oh sì, notre professeur de mathématiques, Cynthia, a dit aussi dans votre pays, parce que son père, Juan Di Fernando, 1927-2017, est né à Mont-Saint-Martin et a reçu la question à 3 ans. Ses parents avaient émigré parce que son père avait trouvé du travail à l'hôpital de Mont-Saint-Martin, où il fait, puis qu'il est malade. C'est aussi la témoignée de ce qui, Quintin Carpegna, ont reçu pour une période dans votre ville. Anche la nostra prof di matematica Cinzia ha radici nella vostra terra in quanto suo padre, Brandi Fernando, è nato a Mont-Saint-Martin e qui è vissuto fino all'età di 3 anni. I suoi genitori erano immigrati perché il babbo aveva trovato lavoro nell'ospedale di Mont-Saint-Martin dove faceva iniezioni agli ammalati. Preziosa è la testimonianza di coloro che, lasciando Carpegna, hanno vissuto per un certo periodo di tempo nella vostra città. Je m'appelle Bazzarini Lucien. J'habite à Carpegna. J'ai habité à Mont-Saint-Martin, où je me suis trouvé très très bien. Au revoir et douce France, le pays de mon enfance. Souvenir de la France. Qui a vécu en France de 1955 à 1971, 17 ans.
Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de misère et les gens avaient besoin de travailler, mais le travail manquait au monde féro. En revanche, à l'étranger, ceux qui voulaient, ils trouvaient du travail. À Carpegna, la seule possibilité c'était de devenir paysan, de travailler pour quelques familles propriétaires de terrain, mais à l'époque, les familles étaient nombreuses. Et il était dur de vivre. Je suis parti pour la France en 1955 avec ma mère, mon frère et deux de mes trois sœurs. Je n'avais que 7 ans. On a rattrapé mon père, qui était déjà sur place depuis 1951 et qui travaillait dans les usines de fonderie où on produisait du fer dans la région de la Lorraine. Le village où l'on vivait s'appelait Lon-la-Ville et c'était à la frontière entre la Belgique et le Luxembourg. L'État français réclamait des immigrés et nous offrait du travail. Donc, on était bien accueillis. Pourtant, quelques Français étaient méfiants à nos égards et il fallait toujours se conduire en honnête homme. Il y avait justement des règles à respecter et il fallait laisser ses empreintes digitales. Il y avait beaucoup de migrants de différentes nationalités. Bon nombre d'entre eux, c'étaient des Italiens venant de Montefeltro. J'ai connu plusieurs familles originaires de Carpegna, Penabilis, Cavolino. Moi, tout d'abord, j'étais à Lon-la-Ville. Après, je me suis déplacé à Mont-Saint-Martin. C'était un village tout près, un kilomètre environ l'un de l'autre. J'ai eu du mal à apprendre le français, soit parler, soit écrire, parce que je ne m'appliquais pas beaucoup à l'école. J'étais un petit cocon. En revanche, lorsque j'étais enfant, j'allais souvent au cinéma et je m'ai regardé tout genre de films, de western en particulier. L'Italie me manquait un peu, surtout au début. Ensuite, je me suis fait des amis et je m'y suis fait. Mais lorsqu'on revenait en vacances en Italie une fois par an, je me rappelle qu'on regrettait de devoir repartir à nouveau pour la France, d'autant plus qu'on habitait une région où il pleuvait et il faisait froid tout le temps. Cependant, du compte fait, c'était la France qui nous nourrissait. J'avais beaucoup de copains italiennes, des enfants d'émigrés comme moi, et j'avais lié amitié avec quelques enfants français aussi. On jouait ensemble à plusieurs jeux, football, basketball, on jouait aux billes et on chassait des grenouilles dans les pentes d'eau chaude des usines. J'ai joué de la trompette dans l'harmonie municipale aussi, à l'occasion des différents événements du village et le 4 décembre pour la Sainte Barbara, patronne des sapeurs-pompiers et des mineurs. J'ai apprécié surtout les occasions de divertissement que la France proposait.
beaucoup plus nombreuses que celles proposées par un petit village comme Carpegna. Je dansais des balles folkloriques pendant les fêtes de village et sans me vanter, j'étais vraiment bon. Je chantais aussi Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand et beaucoup d'autres chansonniers chanteurs. Pour ce qui concerne la nourriture typiquement française, je mets la baguette, la choucroute, la préparer avec des choux hachés et fermentés et accompagnés de charcuterie, le fromage camembert, la bouche de Noël et enfin les brioches traditionnelles. À l'école terminée, je suis allé chercher un travail et j'ai appris le métier d'électromécanicien. On nettoyait des moteurs électriques, on les peignait, on soudait des contacts électriques. J'aimais bien ce travail parce que la mécanique me passionnait et qu'il s'agissait d'un véritable travail. Et sur un travail, on ne crache jamais. Dans mon loisir, j'allais danser en Belgique et au Luxembourg avec mes copains italiennes. On dansait le valser, le cha-cha-cha, le slow. Malheureusement, je n'ai pas pu danser le rock'n'roll car pour le faire, il fallait avoir une danseuse fixe et à l'époque, je ne l'avais pas. En 1970, à peu près, bon nombre de membres de ma famille sont rentrés en Italie, entre lesquels mes parents, enfants retraités. Pendant deux autres années, ma sœur jumelle et moi, nous sommes restés travailler en France, à Mont-Saint-Martin, et moi, j'ai continué de travailler comme électromécanicien. Ensuite, en 1971, je suis rentré en Italie, étant donné que désormais toute ma famille était rentrée, tous sauf ma sœur jumelle, qui, au contraire, s'est mariée avec un jeune homme d'origine italienne. Et elle est partie vivre dans le nord de la France, à Dunkerque, où elle vit encore en ce moment. La France, c'est le pays de ma jeunesse, douce France, beau pays de mon enfance, chantait Charles Trenet en 1947. Douce France, cher pays de mon enfance, le plus beau, c'est que je porte le français dedans, une langue que je parle encore volontiers, ainsi que les chansons, le cinéma, les amitiés italiennes et françaises aussi. Le fait d'avoir été en émigrant me rend plus sensible envers les étrangers qui arrivent en Italie pour travailler. Et ils ne trouvent pas toujours de gens prêts à les accueillir et à les bien traiter. Beaucoup de fois, j'ai aidé des personnes étrangères travaillant avec moi ici en Italie. Il ne faut humilier personne. Bien sûr, mon monsieur Bagiani. Votre témoignage est très important. Nous appartenons dans notre réalité. Depuis un vintage d'âme, il y a un grand nombre de personnes qui viennent d'Afrique et d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, nous les regardons avec d'autres yeux parce que nous avons quadruplé nos arrière-grands-parents, aussi ont vécu la même situation. Nous vivons naturellement et spontanément la présence de filles et de garçons étrangers avec lesquels nous grandissons ensemblement et nous partageons nos vies avec des lits étroits. Certo, signor Baggiarini, il suo racconto è stato molto interessante e utile e lo condividiamo in pieno.
Nella nostra piccola realtà, da circa 20 anni, c'è un alto numero di persone, generalmente provenienti dall'Africa e dall'Europa dell'Est. Ora le guardiamo con occhi diversi, perché sappiamo che un tempo anche i nostri bisnonni si sono trovati nelle medesime condizioni. Noi viviamo con naturalezza e spontaneità la presenza di ragazze e ragazzi stranieri con cui cresciamo insieme, condividiamo tutto e stringiamo forti legami. Merci les garçons, vous avez fait un bon travail et il nous donne la motivation de continuer le parcours de collaboration commencé il y a 4 ans par une correspondance avec des classes du Collège de Mont-Saint-Martin, qui malheureusement a été interrompue par la pandémie. Grâce aussi aux nouvelles technologies qui nous permettent une communication simultanée et rapide, nous souhaitons que cette collaboration puisse continuer à se renforcer dans le but d'approfondir la connaissance de nos cultures et traditions. Grazie ragazzi, avete fatto un buon lavoro e questo ci dà la motivazione per continuare il percorso di collaborazione cominciato 4 anni fa attraverso una corrispondenza con alcune classi della scuola di Mont Saint-Martin, che purtroppo si è dovuta interrompere a causa della pandemia. Grazie anche alle nuove tecnologie che ci permettono una comunicazione simultanea e rapida, ci auspichiamo che questa collaborazione possa continuare a rafforzarsi con l'obiettivo di approfondire la conoscenza reciproca delle nostre culture e tradizioni. Vos applaudissements parlent d'eux-mêmes. Bravo, merci beaucoup. C'est un travail exceptionnel, avec beaucoup de recherche. Et puis le français est bien parlé, madame. Merci. Et puis en tout cas, ça parle à beaucoup de monde ici, beaucoup d'émotions, donc respect. C'est impressionnant. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, ça nous oblige aujourd'hui, ici à Mont-Saint-Martin, avec le collège de Mont-Saint-Martin. Luca. Donc, ce film sera passé au collège, pour les professeurs et les élèves. Et ça oblige. Nous sommes très contents de vous présenter à vos citoyens de Mont-Saint-Martin. Va là. Bravo. Bravo. Et en tout cas, c'est un outil chargé d'espérance. La jeunesse s'empare de ça, c'est assez bien. Alors, je voulais ajouter un mot, puisque les jours où je suis... Il giorno che sono andata a scuola a Crapegna per presentare, per descrivere l'origine del nostro gemellaggio, i ragazzi erano molto molto curiosi, interessati, mi hanno fatto tante domande. E poi ho parlato loro in francese e sono rimasti un po' impressionati anche da questo. E mi hanno detto, ma lei parla sempre francese anche in giro per Villa Grande? No, io parlo francese qui, siamo come voi, dovete parlare francese a scuola, ma a casa parlate italiano. Quindi quando sarete in Francia parlerete anche voi francese. Sono rimasti contenti perché ai ragazzi bisogna spiegare le cose, altrimenti no, non può capire. Ma sono rimasti contenti di sapere queste origini e come sempre i ragazzi sono curiosi e interessati. Signor Bagelli, sì, certo, ha fatto un grande lavoro assieme alla figlia Beatrice. Ringraziamo voi. Questo signore che adesso penso abbia 75 anni, sì, e che è vissuto 17 anni qua, è stato molto gentile, molto gentile, ha avuto un'intervista, i ragazzi gli hanno fatto delle domande precise e lui ha risposto, e poi ha fatto questa lunga introduzione dove parla della sua vita, dei suoi anni qua. Mi
quel ricordo è sempre bellissimo. E poi anche, come mi ricordava Luca, anche le altre professoresse. Che certo, diciamo che questo lavoro è il frutto di una collaborazione proprio tra insegnanti, ragazzi e gente appunto di posto. Moi je souhaite qu'on puisse continuer cette collaboration avec l'école de Montserratin. Et les élèves de l'école de Carpegna souhaiteraient continuer le travail de correspondance aussi. C'est vrai que pour eux, c'est les Français, c'est pas un moyen de langue étrangère, mais c'est un moyen culturel pour reconnaître la culture italienne. Et pour nos élèves, c'est la pratique de la langue. Donc on pourrait se présenter, poser des questions sur la façon de vivre, sur les habitudes et tout ça, à partir des choses très simples. Bravo. Et puis bravo à, aussi à ceux qui ont, comme se dit, mis ensemble toutes les images, comme ça. Ok. Finita la cerimonia del Jumelage. Adesso nous allons boire le champagne avec nos amis français. E grazie a Antonio Baldani per le riprese, grazie. Penso che sia stata una giornata molto bella, un po' lunga ma toccante, piena di contenuti. E questo video è stato veramente bellissimo. Rappresentiamo tutte le scuole, non solo quelle di Carpegna, in questo caso l'ha fatto la scuola di Carpegna con la Cinzia Brandi e tutte le altre insegnanti. I ragazzi sono stati eccezionali. Io penso che anche i francesi qua si sono emozionati. Come il sindaco si è commosso perché il messaggio, stai riprendendo ancora, il messaggio di Luciano Baggianini è emblematico, dice: io adesso quando incontro uno straniero, una persona in difficoltà, magari anche italiana, magari del sud, sapendo quello che può succedere quando uno arriva in un posto che non ha risorse ed è da solo, cerco di essere il più possibile accogliente, chiaramente facendo in modo che rispettino le regole, ma è un messaggio straordinario, ci sono un po' più buono, un po' più vicino alle persone che arrivano e che sono in difficoltà. Un messaggio commovente dal nostro bellissimo gemellaggio a Moussa Mbarden, che siamo ancora a tre quarti. Una giornata bellissima con lo scambio dei doni, con tutti i sindaci, con i cittadini che si sono emozionati da questo video e finalmente siamo riusciti a coinvolgere le scuole, altrimenti è un po' ripetitivo, noi siamo già stati Antonio qua, no? Quindi le scuole hanno capito cosa è successo nel Novecento, una immigrazione di migliaia di persone che però si sono fatti valere, sono diventati sindaci, classe dirigente e hanno costruito e migliorato la realtà della Lorraine in questa regione. Quindi viva la France, viva l'Italie, viva notre jumelage. Grazie a tutti, ancora non torniamo in Italia, fra due giorni. Benissimo. Ciao. Luca, grazie.